bien, salut tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. On est vraiment dans ma maison. Pour cette spéciale, j'irai dormir chez vous. Alors cette fois-ci, on va partir en Algérie. L'Algérie, qui est un pays que les Français connaissent peu, qui est en train de s'ouvrir au tourisme. Et c'est pour ça que moi, j'ai été très content d'avoir le visa pour tourner là-bas. Alors quand je voyage, moi, je montre simplement la réalité. Et j'essaie toujours de rester fidèle à ce que j'ai vécu. Mais je suis un voyageur qui filme. Et ça, ça modifie un petit peu les rapports humains. Et même dans un pays où les gens sont très accueillants, eh ben parfois c'est un petit peu différent. Vous verrez ça. Donc, direction l'autre côté de la Méditerranée, l'Algérie. Et après, on se retrouve ici dans ma cuisine pour que je vous raconte plein de choses que vous n'aurez pas vues. Voilà. À tout à l'heure. Les montagnes de l'Algérie. Alors là, je suis vraiment content d'être là, parce que ça fait des années que je voulais venir. Mais c'était compliqué, parce que le pays a traversé des périodes difficiles. Alors aujourd'hui, évidemment, ça va mieux, mais je ne sais pas exactement où ça en est. Donc, mon programme, c'est le même que d'habitude. Je vais passer 15 jours ici à la rencontre des gens, en essayant d'aller dormir chez eux, bien sûr. Mais l'Algérie, c'est un pays immense. Plus de 4 fois la superficie de la France. Et donc, eh ben, je ne vais pas pouvoir aller partout. Mais bon, là, je suis en Grande Kabylie, au-dessus de Tizi Ouzou, à 1h30 de route environ, dans les montagnes. Et il y a plein de petits villages perchés. C'est vachement joli, donc je vais en prendre un au hasard. Et puis je vais aller voir. Bon, alors apparemment là, c'est pas prévu que j'y aille. Je sais pas si c'est bon pour les voitures, là. C'est pas bon du tout. Je vais aller me garer un peu plus bas. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Ah ben, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Vous parlez français aussi? Un peu. Les femmes ici travaillent au champ. Oui. Elles vont chercher de l'eau à la fontaine, elles mettent le français et les parties. Les bois. Ah, vous avez oublié tout ça. Voilà. Ah. Et il n'y a pas d'eau dans les maisons? Maintenant. Maintenant, il y a de l'eau? Oui. Mais pourquoi vous allez encore chercher de l'eau à la fontaine alors? Les robinets sont dans le château, il y a des... les produits dans les fontaines, non, il n'y a rien. Elle est pure. Les sources. Mesdames, à bientôt. Bonjour. Bonjour. Ça va, la bête? Oui. Mais je vois vos reportages. Ah bon? Mais je suis incognito, on ne peut pas me reconnaître. Si, si, je vous ai reconnu. Enchanté. Il y a le centre là, par là? Le centre du village, j'ai oui. Juste tout près. D'accord. Arrête. Ah ben ça. Je suis allé. Alors, c'est pas... Ah mais non, mais vous avez peut-être des choses à faire. Non, c'est la place comme ça. Voilà, c'est la place c'est du, village. Du village. D'accord. Voilà, c'était justement celui de se ressembler, de prendre des décisions. Ah ouais. S'il y a un problème au village, on va le discuter ici. C'est du village. Paris-Cotonou. D'accord. Encore quelqu'un. C'est des vieux. C'est des vieux. Un immigré. Élevé chez vous. Ah bon? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis ça de... va? Ça va bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est lui l'immigré. Lui l'immigré. Mais vous êtes tout rose comme moi. Bonjour, bienvenue chez nous. Enchanté. Enchanté de vous connaître. Moi aussi. À qui ai-je l'honneur? Antoine. Antoine. Et votre nom, c'est? Baraka Daoud. Baraka Daoud. Oui, David. David. On ne voit pas beaucoup les dames, hein? S'ils n'ont rien à faire. Ils sortent normal. Oui, mais vous n'avez rien à faire non plus. Mais écoutez. Oui. On n'a rien à faire à la maison. Vous? Nous. Donc il faut que vous soyez dehors. Il faut qu'on soit dehors. Pourquoi? Pour les laisser tranquilles. Non, c'est pas pour les laisser tranquilles, parce qu'ils sont tranquilles. Et bon. Nous, on est sociables. Oui. Donc la femme, même à partir du moment. Mais d'ici une heure ou là où ils vont sortir, vous pouvez chercher de l'eau. D'accord. Chercher l'eau et faire le potager là-bas. Mais c'est pas vous qui faites le potager? Jamais. On mange. On ramène et on mange.
Vous ramenez quoi? La retraite, il y a la retraite. Ah, vous ramenez l'argent? Bien sûr. Ah. En tout cas, vous passez un grand bonjour à tous vos compatriotes. Bon, ben merci. Et aujourd'hui, la Kabylie, c'est dangereux ou je peux me promener tranquille? Ben... Où ça? Essayez de me promener en Kabylie, en voiture. Je peux dormir dehors. Ah oui? Vous êtes venu par la grande route. Oui. Vous pouvez dormir là-bas. Ah bon? Et je peux dormir chez vous? Avec plaisir. C'est vrai? Et bien sûr. Il y a la place? Énormément. Mais je vous avertis. Oui. La maison est dans un état lamentable. Ben, c'est pas grave. C'est vrai, Adil. Bon. Pour manger. Oui, c'est moi qui régale pour manger. On fait des courses et moi je paye. Non, jamais. Non. Ah, jamais, il n'est pas question. Mais je sais pas. Les œufs. Oui. Dans l'eau. Oui. On va les couper. Les œufs durs. Les œufs durs, on va les couper. De l'huile de Kabylie. La pomme de terre comme la purée. Oui. Qu'est-ce que vous avez mis comme... C'est bien, comme vous. Comme vous. Qu'est-ce que vous... La boisson. Ah, moi je bois de l'eau, moi. Non. Comment ça, je bois pas de... Un peu de gazouge, un peu de limonade. Ah oui, un petit... Oui, ah, oui. Oui. Tout est prêt. Une petite... Et là, il y a une bouteille de vin. Non. Moi, je bois plus de vin, là. C'est bon pour la santé. Je bois que quand je suis obligé. Il y a tout le monde qui est là, c'est formidable. Kabylie, mon beau pays. Mais non, c'est bien. Ah oui, j'ai pas vu encore cette rue. C'est notre secteur à moi. C'est votre secteur à vous. C'est les mêmes familles. Elles portent pas le même nom, mais c'est la même famille. C'est quoi? Un cercueil. C'est un cercueil, ça? Non. Ça, c'est un cercueil. Non, on a eu un d'ici. On a eu un d'ici la semaine dernière. Mais là, il n'est pas dedans. Là, non. C'est une femme âgée. Elle a été enterrée. Donc, le cercueil, on va le transporter au cimetière. Si quelqu'un en aura besoin. Pour la prochaine fois. C'est pas pour vous. Non. D'accord. Ben, je ne sais pas. Non. D'accord. Ok, ah bah très bien, c'est bon, bah c'est très bien. Ça c'est à la famille. D'accord. Hein? Tout ça c'est à la famille. Ça c'est la famille. Ah c'est bien. Moi j'étais là, je suis descendu en bas. D'accord. Voilà où j'habite. J'ai pas encore terminé. Je bricole. Ah, quelques cultures. Parce que les chats rentrent. Ah oui, puis ils viennent de servir. Attendez. Voilà. Très bien. Venez ici. Voilà ma place. C'est le fauteuil? Votre place? Eh oui, c'est ici que je m'installe. Ah ouais, non, mais là, vous êtes vraiment bien avec la vue et tout. Cette région a donné... De grands révolutionnaires. La majorité sont morts pendant la Révolution. En fait, ce qui est particulier, c'est que vous parlez de révolution, et nous, en France, j'ai jamais entendu le mot révolution en Algérie. On disait toujours la guerre d'Algérie, la fin des colonies ou des choses comme ça, mais on ne parlait pas de révolution. Et en fait, je me rends compte que pour vous, c'était la révolution. C'est normal, parce que vous, Français, oui. Citoyens français, n'ont pas souffert. Eh oui. C'est les gens qui ont souffert qui se rappellent des choses. Bien sûr. Le peuple algérien ne peut pas oublier, c'est pas vrai. Oui. Vous faites marcher le fauteuil, non ? Monsieur Maxime. Merci beaucoup. Installez-vous. Bon, je m'installe un peu. Installez-vous, reposez-vous. Je vais faire ma prière d'abord, et puis on va faire la popote. Très bien. Eh ben... الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر لا سي ماكسيم je me sens bien ici. Peinard. Bah oui, vous êtes bien. Peinard, c'est le mot.
Ah ouais. Mon fils et la vieille vont venir vendredi. Qui ça? Mon fils. Oui. Et ma femme. Mais vous dites la vieille, ça veut dire votre femme? Ah, la vieille. On est âgé. Oui. On est presque dans. Je suis dans les 70 ans. Vous avez un seul fils? Un seul. Un seul. Et quatre filles. Elles sont mariées. Et vous faisiez quoi comme métier avant? J'étais formé comme technicien, ça remonte à loin, en 79. C'était les débuts de la Sonatrach. Dis pas ce que c'est. Les hydrocarbures. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de filmer les patates? Ben oui. Il faut filmer aussi les patates. Ah ouais, c'est votre problème. Ah pas... Voilà. Stop. Eh oui, les poivrons sont le plat. C'est le plat préféré du Kabyle. Ah bon? Eh, monsieur le marquis. Ah, c'est tout. Ah, encore un peu. Non, c'est bon, j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Mangez, monsieur le marquis. De quoi là? C'est de l'huile. Ah. Ouais. C'est de pas... l'huile d'olive de Kabylie. Ah, c'est pas de la rigolade. Attendez voir. Non, j'en ai plein. Les Kabyles, ils mangent beaucoup d'huile, hein? Et bien sûr. Moi, je mange pas la sardine, hein? Mangez pas de sardine? Il faut la manger. Non, non, il en restera pour le chat. À la tête. Maintenant, la région, c'est calme ou c'est pas calme? Depuis que le terrorisme est terminé, on est bien. Avant, on avait peur, certes. Ah oui, mais c'était avant. C'était avant, 90, 92, mais maintenant, on est très bien. Dieu merci d'ailleurs. Je vous assure, monsieur Maxime, si vous allez maintenant à El Hamma, vous allez dormir dehors. Ouais. Vous n'aurez aucun problème. Nous, on a souffert, j'étais jeune à l'époque. Oui. On a souffert de la période coloniale. Ah oui. Ce village que vous voyez, oui. Il y avait trois villages ici. Trois villages dans un village. Oui. Avec du barbelé. Il était là, le barbelé. Et à quoi il servait le grillage? C'est pour empêcher les gens d'alimenter les maquisards. Ils vont crever de faim. Il y a des flagas qui sont morts. On a trouvé des glands dans leur ventre. Ils ne mangeaient que des glands. Les Français, ils vous empêchaient de trouver de la nourriture? Comment ça se passait? C'était rationné. C'était pas suffisant. Le grillage empêchait les gens d'aller travailler leur terre, ramener de l'huile, des figues. Vous voyez, mon père, il a passé 7 ans de prison. Il a été emprisonné depuis 55 à 61. Ah oui? Et bien sûr. On l'a vendu. Et il a, ça s'est mal passé? Ils l'ont torturé à Tizi Ouzou, puis la prison. Il reste cette... Il reste quelque chose quand même. Quand même, bien sûr. Et aujourd'hui, on mange tous les deux. Comme des frères. Et où est le problème? C'est des erreurs. Des générations qui sont passées par là. Il faut arrêter de m'appeler monsieur Maximi. Moi, je m'appelle Antoine. Comme vous voulez, monsieur Maxime. C'est pas un problème. Bon, ben, on a choix entre le rouge ou alors le vert printemps. Mais vu la température, et ben... Ça sera vers printemps. Voilà. Bonne nuit, à demain. Bon, ma prochaine destination, c'est Djanet. Alors Djanet, c'est une ville un peu particulière parce que c'est dans le sud-est de l'Algérie, dans le désert. Et en fait, c'est un endroit où avant, il fallait surtout pas aller, qui avait l'air d'être dans des zones vraiment compliquées, pas très loin de la Libye, il pouvait y avoir du terrorisme. Mais tout le monde me dit qu'aujourd'hui, c'est bien, on peut y aller. Et bah, je me pose la question. Je vais y aller, mais je vais y aller prudemment. On va voir. Énormément de monde. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame.
Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça veut dire quoi? C'est l'anniversaire de Maulid ibn Abdel Sharif. C'est l'anniversaire de Nabir. C'est le prophète? Non, le prophète. Mohammed. C'est aujourd'hui, c'est la naissance. C'est l'anniversaire de sa naissance au prophète. Mahomet. Bon, ben, je vais voir. Ah, les gens sont super bien habillés. Oh, il y a un monde, là. Bonjour, monsieur. Enchanté. Eh ben, ça va. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parle en arabe, elle ne sait pas parler en français. Eh oui, mais... Et elle me dit quoi? Bienvenue ou elle me dit allez-vous-en? Bienvenue, bon, ça va. Pardon, madame. Pardon, madame. Allez-y. Je vais venir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, madame. Je vais me mettre là dans le coin. Les gens, ils mettent un tissu sur le tombeau. Oui, on achète un morceau de tissu, on le met sur le tombeau. Bonjour. Bon courage. Merci bien. C'est coincé? Non, c'est bon. Moi, c'est M. Ahmed. Enchanté. Ah, de la famille. Voilà, donc là, nous sommes une seule famille. Et demain, c'est la fête comme ça encore ici? Oui. Pareil. On dit demain. D'accord. Au fait, il y a le Mouloud, c'est la naissance du prophète. Du prophète. Il y a l'Ashura, une autre fête aussi. Et oui. C'est la fête de la femme. Ah, d'accord. C'est-à-dire, même si vous avez votre propre fille, on lui interdisait de sortir le jour de l'Ashura, elle sort. Elle met sa robe kabyle, elle met son écharpe et tout, elle sort. Mais aujourd'hui, c'est pas la fête de la femme? C'est pratiquement même aujourd'hui. Oui. C'est une fête religieuse, mais on l'exploite aussi pour la femme. D'accord. Parce que les femmes, elles sortent, elles regardent comment ça... C'est pour ça qu'il y a tant de femmes. Voilà. Il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, c'est un rituel au fait. Et ce soir, il y a quelque chose de spécial? Non. Non. D'accord. Oui. Bon, ben, on verra. D'accord. Merci encore. Ben, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Ça va? Oh, moi, j'ai du couscous. Va manger du couscous. Où ça? Si, du couscous. Ah bon? Ben oui. Ah, mais les gens, ils apportent du couscous. Ben oui. Il y a du monde. Il y a du monde. Ah, je mange direct comme ça. D'accord. Ah. Non, il y a du poulet. Moi, j'ai vu. Mais bon, merci. Je m'en vais. Je vais reprendre la route là. Là, je fais un petit point sur la situation. Je suis à Janet, je suis arrivé à l'aéroport, et dès le début, j'ai été contrôlé. Alors, tout le monde a été sympa avec moi, je veux dire, c'était juste un contrôle. Mais ça a duré 3 heures. Pour a priori m'expliquer qu'il fallait que je prenne un guide ou une agence, enfin bref, j'ai dit non. Et après, ils m'ont dit d'aller dans un hôtel.
Et puis moi, j'ai dit que ça ne me convenait pas parce que c'était un hôtel qui était complètement, pas du tout dans le centre de la ville, complètement à l'extérieur. Donc je suis arrivé à un autre hôtel qui est en plein centre. Et là, je vais aller me promener. Donc je ne sais pas si ça va bien se passer, s'ils ne vont pas être contents ou quoi. Jusqu'à maintenant, ils ont été très corrects, moi aussi. Mais je suis venu pour rencontrer les gens de la rue. Je ne suis pas venu pour visiter les dunes. Voilà. Donc je me prépare et je sors. On verra. C'est bon, c'est arrosé. Vous sortez, monsieur? Oui. Tout seul? Oui. Il a dit, le propriétaire, il ne faut pas sortir, il va venir. Le propriétaire de l'hôtel? Oui, il m'a dit comme ça, oui. Ah bon? C'est vous, le journaliste? Oui. Pas, il va expliquer à vous, je ne sais pas pourquoi. Tu peux en passer le, au bureau? Oui, ben, on je vais va au bureau. On va attendre un petit moment avec la climatisé. Bon. Ah, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, moi. Hop. Bonsoir, bonjour. Bonjour, monsieur Antoine, ça va? Oui. Bien, comment allez-vous? Ça va? Bien, enchanté. Bien. Je me présente, je suis le commissaire Mira. Je travaille ici. Ah, vous êtes la police? Oui. Ah, très bien. Vous partez à pied? Oui. Ok, pas de souci. On va mettre deux éléments civils, pas de loin. D'accord. Donc okay. Moi, j'aurai deux personnes, je ne m'occupe pas d'elles. Non. Elles non, se débrouillent. Elles se débrouillent. S'il y a un problème, ils sont là. Oui, s'il y a un problème, vous êtes équipé et tout. Oui. Mais j'ai l'impression qu'ici, les gens sont... admirables. Ah ben alors, oui. Mais vous avez peur de quoi? De la Libye ou peut-être... Non. On ne sait jamais. Vous êtes très important pour nous. Ah. Ok. Ah oui, ça ne ferait pas une bonne image s'il m'arrive des malheurs. Ouais. Bon, ben merci. Oui. Alors, sors par là. Bon, ben, voilà. Je comprends très bien que tout le monde se méfie parce que... on est à 70 km à vol d'oiseau de la Libye, où il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. C'est très compliqué. Et en même temps, bon, ça me protège parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas les gens d'ici qui vont me poser des problèmes. Ça peut être des terroristes qui viennent t'enlever. J'ai pas du tout envie de faire ça. Voilà. Bon, j'essaie de savoir où est le centre. Bonjour. Bonjour. Le centre de la ville, il est où? Ça, c'est le centre. C'est bien, c'est le centre. Tranquille. Et toi? Hein? C'est toi? Tu es tranquille? Moi, je suis tranquille, ouais. Ça, c'est le seul marché? Deuxième marché. Ah, il y en a un autre là-bas. Il est plus petit ou plus grand? Grand. Ah, l'autre, il est grand. Ça, c'est le petit marché. Bon, ça va forcément être un peu différent, mais j'ai l'impression que mon mec incognito, c'est celui qui est avec les lunettes et le chapeau. Bon, moi, je mangerais bien un truc, hein. C'est un bar. Je vais demander là-dedans. Bonjour. Tu peux pas manger? La manger, il faut... Tu m'assois? Allez, très bien. Voilà. Merci. De rien. Merci beaucoup. Un petit peu de pain. Mon ange gardien. Ah, ben voilà le marché. Ça va tout le monde? Oui, ça va très bien. Je suis à la galerie. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui. C'est la gendarmerie nationale. Enchanté. Comment allez-vous? Ça va bien? J'ai rencontré déjà la police. Est-ce que vous avez une agence? Non. Parce que votre programme, est-ce que tu restes ici en Jeannette ou tu fais une tour en dehors de Jeannette? Je vais probablement essayer de sortir un peu en dehors, mais pas loin. Quand un touriste vient ici, oui. Il est obligé de faire un contrat avec une agence. Il ne peut pas sortir dans le désert seulement. Ah bon? Tu veux... Oui, je comprends, pas tout seul. Parce qu'il y a un risque de te perdre dans le désert. Mais si je vais juste 4-5 km, pas plus? Non? Non, c'est le code algérien. Oui. Tu ne filmes pas, là, tu filmes. Mais si, mais je coupe. Je coupe. Bon, maintenant, j'ai eu la police, j'ai eu les gendarmes. Normalement, ça va aller. Ah. Bonjour.
Salut, bienvenue. Enchanté. Ravi de vous connaître. Les gens du parc. D'accord. Je vous en prie, est-ce qu'on peut avoir un moment avec vous? Un moment avec moi, qu'est-ce que vous entendez par là? On va y aller au bureau, donc j'ai appelé notre tutelle et pour vous expliquer la situation seulement. Ah d'accord, ça veut dire que je monte dans la voiture? Si vous voulez. Vous n'allez pas m'emmener au fond du désert? Non, non, non. Vous savez ce que je fais ou pas? Justement, vous voulez le savoir. Ah ben moi je fais un reportage. D'accord. Donc on va y aller à notre siège. Ok. Vous savez que l'accès au parc, donc elle est réglementée en fait. Oui, mais le parc, c'est pas la ville. Si, si. Là, ici, je suis dans le parc. Ah oui, vous êtes dedans, pleinement. Ah d'accord. Pour un travail en fait de photographie, etc. Oui, oui. Et il vous faut une autorisation. Vous avez sur vous une autorisation de l'extérieur. Oui. Là, c'est pour la circulation, c'est pas pour filmer. Non. Ah non, c'est pour filmer l'autorisation, c'est marqué. D'accord, on va la voir et je vais l'envoyer à notre tutelle. Oui. Il va vous délivrer une autorisation officielle demain. Oui. Bon, bah dans une toute petite ville comme ça, d'être suivi par la police, je pense que tout le monde le sait. Donc, ça va peut-être perturber un petit peu les relations, on va voir. Ah, ça, c'est tout le mythe du désert, ces voitures-là. Allez, je vais au bar. Je vais boire un coup au bar. Si je me fais des potes. Je sais pas si quelqu'un a envie de me parler. Hein. On va voir. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je vais prendre un petit truc à boire. Je deviens complètement parano, j'ai l'impression qu'il y a de la police partout. Bonjour, ça va? Un café? Super. Merci, monsieur. Je me demande bien ce que je vais pouvoir faire ici. C'est particulier. Bon, ben... Oui. Monsieur, on peut vous poser une question? Absolument, vous pouvez poser toutes les questions et après je poserai Merci. Toutes les questions, ça va? Merci à toi. quand tu as filmé le petit là-bas, oui. Tu lui as demandé l'autorisation? C'est vrai que non, mais il m'a vu que je faisais. C'est par politesse qu'on n'a rien dit. Non. D'accord, mais moi je vais lui demander, comme ça c'est bien. Non, ça va? Non, pour la prochaine fois, oui. Vas-y, Manu, tu peux poser des questions aussi. Ben non, moi, je voulais boire un verre avec vous. Vas-y. Parce que moi, je viens d'arriver, et je connais personne. Voilà. Pardon. Quand tu vois comme ça, avec tes appareils et tout ça, là, on dirait que tu fais un reportage ou bien quelque chose comme ça. Mais bien sûr, c'est ça. Si, par exemple, tu me demandais l'autorisation, je dois savoir de quel sujet tu vas... Aborder. Voilà. Alors, je vais vous dire, je fais une émission... Il s'appelle « J'irai dormir chez vous ». Je connais. Vous connaissez ça, j'ai entendu parler de ça. Je crois que j'ai déjà... C'est avec la chemise rouge. Et alors, je veux aller chez les gens qui habitent ici à Janet. Ok, on a compris. Nous, ça ne t'intéresse pas parce que nous sommes des gens qui travaillent. On n'a rien à voir. Si, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, on n'a rien à voir. Ben oui. Tu dois chercher quelqu'un de Janet, de traditionnel. Quelqu'un, par exemple... Monsieur, il est traditionnel de Janet? Il est de Janet. Vous parlez français? Mais c'est un taxieur. Parce que, est-ce que je peux aller chez vous? Ben non, mais je demande. Je trouve qu'ici, c'est difficile à Janet parce difficile. Que la culture, elle est différente. C'est bien dit, difficile. C'est ça, hein? Avec un grand D. Avec un grand D. Oui. Il y a les coutumes et la religion aussi. Mais il y a des endroits, c'est plus difficile, plus strict. Tant que tu descends ici, ça devient un petit peu compliqué. Oui, c'est plus traditionnel. Traditionnel, voilà. Oui. Les gens, monsieur, je peux aller dans votre maison? Non? Ben, je vais... Oui ou non? C'est vrai? Je peux aller dans votre maison? Oui. Je veux pas vous forcer du tout. Il a accepté? Oui. Mais il n'a rien. Ici, si tu invites quelqu'un chez toi? Oui. C'est une obligation chez nous, là. De bien accueillir avec un repas et tout. Bien sûr, je vais pas t'inviter. Voilà. Et après, j'ai rien, ça me dérange beaucoup. Je comprends. Et si moi, je viens avec de la viande
ça se fait ou c'est pas correct? Au lieu d'acheter de la viande, tu lui donnes quelque chose comme ça, lui, il va régler les affaires. Alors, si je peux faire ça, je fais ça. Voilà. Bon, moi, je suis content, hein. Bonjour monsieur. J'étais en train de vous appeler en fait. Ah oui, mais c'est pas comme j'étais en train de discuter avec les gens, j'ai pas pris l'appel, mais vas-y. Comme je vous avais dit, je suis juste à côté. Est-ce qu'on peut... Oui, j'en ai pour 3 minutes, 5 minutes et j'arrive. On m'attend à l'administration. Il faut aller vite alors. Oui, bien sûr. Bon, alors, c'est quoi son numéro? Parce qu'il faut que je m'en aille là maintenant. Il a changé d'app. Ah, il veut plus. Oui, c'est parce qu'il a vu la police à mon avis. Bon, eh ben, je vais m'en aller. C'est pas grave. C'est dommage, grave. Mais j'aurais bien voulu venir chez lui. La prochaine fois. Inch'Allah. 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 Allez, je dois aller régler mes problèmes de papier. C'est la vie. On va régler tout ça. Bon, mais je pensais que c'était... Que c'est, comme on avait fait la demande, je pensais que ça allait se régler facilement et tout. Ben, on attend. Oui. Je me demande si je peux pas prendre un bus, en fait. Parce qu'ils me disent que je peux pas aller tout seul dans le désert, mais... je vais pouvoir prendre un bus. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Vous parlez français? Français cuisinier, puis moi. Ah, vous êtes cuisinier? Français cuisinier. J'ai pas compris. Ouais, je parle français. Non, français, non. Ah, vous parlez pas français? Ah, non. Ah, bon alors? Oui, il mange français. Ah, il mange français. Vous aimez la cuisine française? C'est ça? Wallah, monsieur Tidjero. Je cherche la bagarre, nous. Ah, bah, vous parlez français. C'est sorti comme ça. Oui, c'est ça. Non seulement vous parlez français, mais vous avez les expressions françaises. Et vous... Je suis professeur de physique nucléaire. Bah, c'est bien ça. Et grâce aux études que je fais en France. Ah bah, voilà. On y va. Oui. Vous partez? Oui. Je peux aller avec vous? Vous allez où vous allez? Non, mais est-ce que je peux aller avec vous? Non. Mais je vais prendre ce bus aussi, hein. Bon, allez. Je me mets là? Oui. Allez. Bonjour tout le monde. Oui. Au revoir. Ah, il y a encore un siège. Je suis sorti de Janet. Voilà, okay. Ça va. Okay. Au revoir, monsieur. Bye bye. Au revoir. Bonjour. Bon, j'ai pas vu mon policier, là. Mais ils peuvent m'appeler, donc c'est pas compliqué. En même temps, ce qui est intéressant dans cette région, c'est que t'as pas de touristes étrangers qui se promènent tout seuls. Et forcément, ça... Il y a des gens que ça va attirer, d'une certaine manière. Qui auront envie de me rencontrer, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu chiant, parce que je suis moins détendu que d'habitude, là. C'est ça qui m'embête. D'habitude, je me pose pas trop de questions, je fais juste attention, quoi. Avec là, je sais pas si j'ai le droit, pas le droit, c'est un peu... C'est un peu difficile. Ça va bien, qu'est-ce que vous cherchez dans l'arbre? C'est... Ça, c'est un acacia? Non. Pas l'acacia. Ça vient du Niger. C'est un arbre qui vient du Niger? Ah oui. Et là, vous regardez pour voir quoi? Ça, on a cherché les fruits. Les fruits. Ah, voilà. Il y a des fruits qui se mangent? Il y a les fruits. Non, c'est pas pour non. Ah non, pour faire pousser des graines. Des graines. Des graines. Voilà, exactement. Ah oui, d'accord. Et après, tu peux faire pousser un autre. Voilà. Oui, Inch'Allah. C'est bien. Voilà. Sois bienvenu. Merci beaucoup. Vous parlez l'anglais, non? Anglais et français. Ben, où est-ce que vous allez? Je rentre chez moi. Soyez bienvenus. Je peux venir avec vous? Yes. Ah ben voilà. Je vais acheter quelque chose. Ah, ok.
Bonjour. Ça va? Bien. Ah ben voilà des gens souriants. Vas-y, filme-les. Est-ce qu'il est possible de prendre la photo ou quoi? La police. La police? Oui, oui, ça va bien. Ça se passe très bien. Je suis... Tinoud. Comme PMP. Non, c'est à côté, bougez pas, je vous passe quelqu'un. À côté en PMP. Vous allez lui parler. Salam alaikum. Inch'Allah que la basse. Ok. Voilà, c'est bon, il a raccroché. Il a raccroché. Ils sont inquiets pour moi. Yes. Ils ont peur que j'ai un problème. Mais ici, il y a que des gens... Non, c'est juste pour votre sécurité. Il se passe rien à Janet, mais... On sait jamais. Yes. Moi, c'est Ali. Ali? Ali. Antoine. 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 Oui, exactement. Super. Yes. Je vais prendre ça, moi. Hop là, bah c'est lourd, dis donc, vous êtes costaud. Ça fait mal aux mains, hein. Il y a plusieurs familles qui vivent ici, ou juste la vôtre? Juste ma famille. Alors vous vivez avec votre femme? Et mes... Votre fils? Votre fille? J'ai quatre... Enfants. Quatre enfants. Ah, ok. Si t'as le droit de voir la femme ou pas. On va voir. Oh, le bébé! Bonjour, madame. Bonjour. Bon. Toutes les filles sont arrivées. Hello. 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 Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, ça va? C'est trop gentil. Pardon. C'est mes filles. T'es moleste. T'es dit what? Voilà, t'as pas. Alors, le taxi. Police. Assalamu alaikum. C'est encore la police. Très bien. En tout cas, il ne peut rien m'arriver ici. J'ai bien fait de demander toutes les autorisations, parce que sinon, je serais pas allé loin. Bon, ça va, ils sont juste devant, maintenant. Coucou. Ça va? Bonsoir. Ah, bah qui voilà? Le commissaire. Bon, ça va? Bien. Je peux rester ici? Oui, oui, y a pas de souci. D'accord. Oui, pas de souci. Et si jamais il dit que je peux dormir ici? Si vous voulez, il n'y a pas de souci pour nous. Ok, merci. Ça marche. J'ai demandé d'une manière académique, j'ai demandé à la police si je pouvais dormir là. Si vous voulez dormir ici, vous pouvez. Je peux? Oui, bien sûr. Okay. Vous êtes chez vous? Chez la plupart des Touaregs, tout le monde est bienvenu. Donc, vous êtes un Touareg? Oui. Et vous ne vivez pas dans une tente? Pas dans une tente, non. Vous êtes un Touareg moderne? Ben oui. Vous avez Internet ici? Oui, il y a Internet ici. La fibre? La fibre. Merci beaucoup, madame. Tajla. Et ça, c'est les frites. C'est l'Europe, c'est ça, c'est des déserts, des Touaregs. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. Dis rien. C'est très bon. You, what, c'est quoi votre travail? À l'aéroport. Oui, dans la maintenance technique. Je regarde si tout fonctionne. Vous vérifiez. S'il n'y a pas d'alarme. Ok, je comprends. Yes. Four girls. Quatre filles, c'est beaucoup de travail, non? Les vieux disent, quand tu as trois filles, c'est un cadeau. Parce que généralement, les filles, elles restent à la maison. Ça les rassure. Et elles s'occupent de leur famille. Alors que les garçons, eux, quand ils sont grands... Et ils partent en Europe? Non, ils partent dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils font dans le désert? Relax. Pense comme un Touareg. Il veut aller dans le désert
se détendre, manger, être heureux. C'est tout. Quand tu vas dans le désert, il n'y a rien. Juste le calme et les chameaux. Tu laisses tous tes problèmes derrière toi, oui. Ça, ça doit être vrai. Tu peux dormir, si tu veux. Te détendre un peu. Ça, c'est drôle parce que il propose de faire la sieste. Là, il est 2h30 de l'après-midi. Et moi, j'aime bien, ça change encore. C'est pas comme d'habitude. Bah, c'est j'irai dormir chez vous l'après-midi. Donc, je vais faire la sieste. Et puis, eh ben, soit on se retrouve après, soit on se retrouve demain. Bref, on sait pas. Inch'Allah. Tu sais ce que c'est, ça? Oui, je sais. Off. OK. On. Thank you. Welcome. Je viens d'arriver à Gardaïa. C'est pareil qu'à Janet, on m'a accueilli à l'aéroport. C'était un petit peu moins compliqué quand même. Et là, y a quelqu'un qui... sympa, hein, mais qui vient me retrouver pour sortir dans la ville. Et moi, je vais clarifier les choses. J'irai dormir chez vous. Il faut que je me balade tout seul. Je ne peux pas être accompagné. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Mais là, je pense que ce n'est pas pour me protéger, puisqu'on est, on est en plein centre de l'Algérie. Donc, là, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Voilà, donc j'y vais, on va voir. Voilà un peu le matériel. Rebonjour, oui. Rebonjour. Très belle lumière, c'est super beau. Hein. Donc ce que je vais faire, oui. Je vais partir, mais a priori je vais partir tout seul. Oui, pas de souci. Vous, ça vous pose pas de problème? Non, non, ça me pose aucun problème. D'accord. C'est juste pour vous faciliter la tâche. Oui, donc là je vais partir, je vais aller me promener, je sais pas où je vais. D'accord. Mais si j'ai le moindre souci, je vous appelle. D'accord. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Bon, je suis rassuré. Merci. Merci. C'est merci. Moi. Au revoir. Alors, je vais descendre par là, moi. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire, ces deux-là? Ils sont en train de faire une partie de chaussures. Ils ont trouvé un gisement de chaussures et ils se lancent les chaussures. Les gamins, dès qu'ils trouvent un truc, ils arrivent à s'amuser avec. Bon, alors, il fait beau. Il fait pas trop chaud. C'est même assez agréable. Et surtout, c'est super joli. Hein. Là, le centre de Gardaïa, c'est assez magique. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une ville qui est très religieuse. Comment est-ce que je vais être accueilli? C'est toute la question. Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va. Je suis un Français de passage. Ça va? Ça va. Vous êtes souriante. Vous parlez français? Non. Non. Bon. Tant pis. Bye bye. Bon, j'ai une Noël en vie. J'arrive. Oh, oh, oh. Salut. Ça va? Ça va bien. Bien, wallah. Vous parlez français? Non. Non. Ça va être compliqué. Bon, je visite, je vais aller là-bas. Merci, ouais. Monsieur. Ah, merci. Bonjour. Ça va bien. Ça va? Waouh! Oh la coupe! Ça va? Ouais! On donne la photo à Abba. Ah oui, là. Super! Ça va? Rien de toi, va? Salam alaykoum. Bienvenue dans Gardaïa. Merci beaucoup. Gardaïa. Chokran. Ciao. Merci.
J'adore, je suis même très très content. Je veux dire pourquoi je suis content, parce qu'au début j'ai l'impression qu'on allait vachement me contrôler. Puis en fait c'est pas ça. Ça va bien? Ça va. Ça va. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, vous parlez français? Chou, chou, ça veut dire quoi? Ça je sais. Vous parlez français? Moyen, non. Moyen. Je parle en français un peu. Ah ben bah, c'est très bien ça. Qu'est-ce qu'il veut faire voir? Ah ça, attends. Je me garde la. Ah bah oui. Hein? Oui, avec la dame, non? Ah. Madame? Non? Elle veut pas. Ah, madame. Ben merci. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je rentre à la fac. Ah, et vous étudiez quoi? L'arabe. Et là, donc, vous allez retourner à la fac. Le soir, vous rentrez dans la famille? Non. Vous j'ai une résidence. Ah, vous résidez à la fac? Oui. Je comprends. Du mal à tête. Ok. Bye bye. Aussi. Bon, écoutez, ça démarre vraiment bien. C'est fermé. J'adore. Il y a un côté secret. C'est très beau. Oui. Oui. Vous avez fait les courses? Oui. Vous allez chez vous? Toi? Moi? Oui, à la maison? Oui, à la maison, ça. Ah. Moi, à la maison, ça. C'est là? Je pense qu'il va vouloir que je rentre, mais... Moi, je peux venir? Attends, maman. À demander à maman? Oui. Ok. Oui, attends. J'attends. Shukran. J'attends. Merci, viens ici. Je monte? Oui, vas-y. Ok? Ah, ça c'est gentil. C'est la cour. Gardaya. Là par contre, je vais pas voir grand chose, mais. Attends, on va faire comme ça. Voilà. Regardez, bien, regarde. Eh. Ah oui, la mosquée. La mosquée. Elle est en terre, elle est super belle. Hein. Merci beaucoup. Oups. Et là, c'est la cuisine. Ici. Oui. Ça, c'est quoi, ça? Ça. C'est un métier à tisser? Le tissu, tapis. Voilà, tapis. Les tapis. Pour faire les tapis. Voilà. Toi, tu fais les tapis? Non, maman. Maman? Maman, oui, travaille ça. Ah oui. Ça. Avec ça. Pour bien le tasser. Voilà, le tasser, c'est. Pour que ça soit solide. Oui. Et maman, je peux voir maman? Non, ma brèche. Non? Non, ma brèche. C'est pas possible. Ah, les voilés. Voilà. Je comprends. Oui. Merci beaucoup. Voilà, pas normal. Merci beaucoup. Oui. Oups. Ok. Ciao, ciao. Ciao. Ah, il y a une boutique, là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va bien, enchanté. Ça va? Je m'appelle Bienvenue Antoine. Bienvenue chez vous. Comment tu t'appelles? Antoine. Antoine, moi, Saïd. Saïd. Bonjour, Saïd. Bonjour, cher. Pardon, les enfants. C'est à votre service. Ben, je sais, ils veulent acheter des choses, là. C'est mon fils. Ah, c'est votre fils? Oui. Alors, il veut rien acheter. Mais lui, c'est ton fils aussi? Oui, oui. Ça, ah, d'accord. Mon fils. Petite boutique tranquille.
Une boutique de quartier. Boutique de quartier avec tout ce qui, manque au dernier moment. On a oublié l'huile, on a oublié les œufs. Exactement. C'est ça. Bon. Je vais peut-être gêner un peu là, je suis au milieu. Hein. Et puis j'ai tout renversé. C'est petit, il faut dire. Comme c'est ouvert juste 2 heures, il y a tout le monde qui vient très vite. 17h, 19h. Oui. C'est une jupe ? Non, c'est mon pantalon, c'est traditionnel. Pantalon Mozambique, ça. Donc ici, c'est les Mozambiques dans la... Là-bas, il y a des Mozambiques. En 100% des Mozambiques. Et les Mozambiques, ils viennent d'où ? C'est quoi l'histoire ? Ils sont des nord d'Afrique. Ah, ils viennent du nord de l'Afrique ? Oui. D'accord. C'est des barbares. Et toi, tu habites où ? Pas loin d'ici, à 200, 300 mètres. Ah, c'est pas loin, ouais. Merde, j'ai encore fait tomber quelque chose. Le magasin, il est trop petit pour moi. Désolé, hein. Et quand tu vas finir à 19h ? Ouais. Tu vas rentrer chez toi ? Oui, bien sûr. Faire quoi ? C'est quoi, quand 19h ? C'est la prière, non ? Ah, la prière d'abord. Oui. Et après ? Après, on va faire le dîner. Oui ? Après le dîner, on va coucher. Et moi, je peux venir pour dîner ? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est vrai ? Oui. C'est pas un problème ? Pas de problème. Je viens avec plaisir. Ah ben ça, c'est très gentil. Les dames, elles peuvent regarder avec un œil seulement ? Oui. Pas les deux ? Non. Pourquoi ? C'est notre tradition. Hein, c'est la tradition. Oui, c'est la tradition. Les femmes, elles regardent que d'un œil. Oui. C'est spécial. C'est spécial pour les Mozambiques. Mais c'est spécial pour les femmes aussi, quand même. Pour les femmes et pour les femmes, oui. Alors, qu'est-ce que ça ? Bon, on va voir... Oui, allez, on y va. Ah. Ça te dérange pas ? Non, ça me dérange pas. Pour le travail, je sais pas ? Non, c'est pas un problème. Ah. J'ai des gosses là-bas. Vous êtes sportif, Laurent ? Si je suis sportif, je peux encore monter l'escalier. Ah oui. Bonjour. Ah bon ? Bon, il m'emmène voir sa maison, mais les trois. C'est le monsieur. Tu vois la mosquée là-bas, non ? Comme vous voulez. Allez-y. Mais vous êtes un guide ? Non. Non ? Moi, ça. Non, il est épicier, lui. Ah, c'est mon ami, non. Bon, d'accord. On va à la maison. Oui, on va à la maison, bien sûr. Okay. Ah, c'est là ? Oui. Ah bon ? Mais vous habitez pas là ? Non. Non ? Et c'est quoi ici, alors ? Une maison parmi les maisons anciennes. D'accord. Une maison ancienne. Mais c'est chez qui ? C'est ma maison. Ça repasse de l'autre côté. Oui, c'est bon, très beau. Et le monsieur qui est avec nous, là ? Voilà, il est pour protéger. Ah, c'est pour protéger ? Pour vous, oui. Bon, ben moi, je sais pas comment ça va se finir, cette soirée-là. C'est compliqué. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bien. Ça va bien. Allez, on va par ici. Oui, mais pour faire quoi ? Rien. Pour faire rien ? Pour visiter. Mais moi, je veux pas visiter, hein, ça m'intéresse pas. Comme vous voulez. Non, moi, je veux aller, comme on a dit, dîner chez lui. Ah, ok. Entre vous. Ça me ferait plaisir. Voilà. Chez moi, tu vas dîner chez moi. Oui, mais si c'est possible. Si c'était possible tout à l'heure, là, j'ai l'impression que... Je pense que c'est pas possible. Tu penses que c'est pas possible ? C'est pas possible. De préférence, tu vas à l'hôtel. Passez-vous la nuit à l'hôtel. Demain, on va. Vous l'appelez. Vous pouvez parler avec le monsieur. Oui. Quel monsieur ? Ce monsieur-là ? Voilà, c'est lui. Oui. Bah, je vais lui demander, moi. C'est ça. Je peux aller manger chez lui ? Le téléphone. Bon, c'est un épisode particulier. Ah, il est là, James Bond. Et il reste au téléphone pour que je lui demande rien. Moi, je voudrais bien parler avec lui. Alors, il est là, mon ami. Pardon. Alors, ça va ? Bien. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites ? Bien. Vous me surveillez ? Vous voulez que j'ai pas de problème ? C'est mon travail. Je comprends. Bon, ben, je vous en veux pas. Il faut protéger toi. Oui, j'ai compris. Oui, je sais. Vous me protégez, ça, c'est bien. Mais le problème... c'est que ça fait peur aux gens. Ils osent plus après que je vienne chez eux. Pas de problème. Moi, je peux aller chez l'épicier ? Je peux aller dîner chez l'épicier ou pas ?
Non ? Ah bah voilà, c'est ça mon problème. C'est très joli la place là. Hein ? C'est la première fois que je me retrouve dans une situation pareille. Ça va ? Ça va bien. Oui, bien sûr. Avant de la photo, de l'eau. Hein ? Photo, photo, photo. Bah, alors, vous voulez faire une photo ? Oui. Ah bah allez. Ah là voilà, c'est bon. Bienvenue chez nous. Bah merci beaucoup. De rien. Vous me connaissez ? Non. Non. Et vous, vous êtes ici ? Non. Non. Mais on habite ici. Mais vous habitez, vous venez d'ailleurs ? D'origine de l'Est. D'accord. Bon, ben, j'aurais bien été chez vous, mais... C'est compliqué. Tu prends mon numéro. Oui ? Quand tu sois libre, appelez-moi. Mais je peux venir dîner chez vous ? Il n'y a pas de problème. Je peux venir manger chez vous ce soir ? Soyez les bienvenus. C'est vrai ? Oui, oui. Vous avez le droit de m'inviter ou pas ? Oui. Ah ben, je vais avec vous faire les courses. Voilà. Allez, on y va. Okay. Je vais avec vous. Très bien. J'ai trouvé un ami. Lui ? Monsieur et madame. C'est mes amis. C'est bon ? Je peux aller chez eux ? Je peux aller chez eux ou pas ? Non. Non ? Je peux pas aller chez eux. C'est vrai ? Je peux pas. Bon. Bon, je crois que je peux pas aller chez vous. Pourquoi ? Ils veulent pas. Oh. C'est surréaliste comme histoire. Hein. C'est bien dommage. Mais oui, c'est dommage. Regarde, il va voir. Bon, c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire, j'ai l'autorisation de filmer et en même temps, je n'ai pas le droit d'aller chez les gens. C'est très paradoxal. C'est dommage. Mais je sais pas si ça vaut le coup que je sorte demain. Hein. Je vais voir si je peux avancer mon vol pour remonter à Alger. Là, je suis à Alger, la capitale, au bord de la Méditerranée. Et ben, j'ai l'impression que ça risque d'être un peu particulier parce que depuis que j'ai commencé cette série, il y a un truc qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai regardé et ça buzz terriblement. Il y a beaucoup, beaucoup d'Algériens qui savent que je suis en Algérie, qui m'invitent, qui m'envoient leur numéro de téléphone. Et ben, du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner ici, à la capitale. Mais ça risque d'être un petit peu particulier. On va voir. Ah bah ça, c'est la grande poste. Superbe. Bah bonjour, bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va bien. Bon. Ah bah non. Je peux pas, merci. C'est l'histoire d'un mec qui est pas incognito du tout. Bonjour, est-ce que c'est possible de prendre une photo ? Allez-y, allez-y. Vous êtes vraiment très connu. J'ai vu toutes vos émissions. Ça va, vous passez un bon séjour ? Bah, ça va pas mal, je suis un petit peu connu, c'est particulier. Eh ben, ça fait plaisir. Voilà. Bon séjour. Tu me prends oui. Voilà, allez, bonne journée. Mais à vous aussi. Bon séjour. Eh oui. Merci. À bientôt. Oh. C'est compliqué, Alger, hein, parce que tout le monde me connaît. Alors, je vais terminer mon voyage à Oran. Voilà. Là, je viens d'arriver à Oran, je suis au centre. Je connais pas du tout la ville. Mais il paraît que c'est une ville où les gens sortent. Donc là, on est vendredi soir, donc c'est bon. Bonjour. Ça va ? Ça va ou quoi ? Ça va. Touriste ? Ah oui. Salut. Ça va, bonjour. Vous jouez à quoi ? Petit chevaux ?
Oui. Oui. C'est vrai. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien. Très bien, enchanté. Ah, je vous connais. Aussi, vous. Aussi. Ça va. Aussi. Et c'est génial de jouer comme ça, oui, un 4 oui. sur un... On passe le temps. Ben oui, je vois ça, mais... C'est très drôle. Où est-ce que sont les gens à cette heure-ci? Maintenant, c'est vendredi, c'est un peu mort. Ah, c'est mort le vendredi? Ah, oui, c'est calme et tous les gens ne travaillent pas. Oui, mais ils sortent pas. Bon, ils sortent pas la nuit et tout. Bon. Ça mérite une photo, bonjour. Ah bah écoutez, alors on fait bonsoir. Photo. Et vous n'allez pas dormir chez moi. Bon, bah tant pis. Voilà. Bon, ben... Bah, merci beaucoup. Oui, donc à cette heure-ci, il n'y a pas un endroit un peu animé? Arrête l'autre vie, c'est Oran Est. Mais il faut prendre un taxi. Hein. Oui, taxi, oui. Hein. Merci bon, beaucoup. J'ai filmé, ça dérange personne. Non, ça fait un grand plaisir. Hein. Merci. Un grand plaisir. Merci. Hein. À bientôt. Chance, hein. Et essayez de gagner au jeu, là. Ouais. Merci. Bon, c'est super calme. C'est incroyablement calme, même. C'est beaucoup plus animé. C'est tellement différent du reste du pays que c'est étonnant. Ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a un peu toutes les tenues pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont le voile vraiment, juste les yeux. Il y en a qui ont le foulard. Il y en a d'autres qui n'ont rien et qui sont complètement habillées européennes. Quoi. C'est bien, c'est varié. C'est vrai qu'il y a tous les restaurants qui sont là. Ça va? C'est bien, vous êtes souriante. C'est la boulangerie, c'est ça? Oh, c'est gentil. Justin. Un, ça va. C'est trop. C'est trop. Bon, merci. Vous êtes très gentil. Mes vents sont adorables. Je sais pas s'ils s'engueulent ou s'ils s'engueulent pas. Ça va? Bonjour. Ah, qu'est-ce qui se passe, les vélos, là? Oui, bonjour. Je suis là. Bike life, monsieur. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Oh, tu vas bien? Oui. Tu vas bien? Pardon. Ah, c'est la tête, d'accord. Ah, oui. Ok, c'est pas la bise, c'est la tête. Ah, j'ai fait la vidéo. Oui, je fais la vidéo, moi. Tu peux même faire une vidéo? Oui. Bonjour, voilà. Ça va, tu vas bien? Bonjour. Salut la France. Et vous faites quoi avec... Là, ce soir, vous faites quoi avec vos vélos? Le freestyle. Mais où ça? Dans la rue, là, comme ça? Oui, dans la rue. Tu veux essayer, regarde. Oui. Chauffe, nous, on va là-bas. Oui. Toi, faire une vidéo. Alors, je me mets où? Ici. Ici. Ici, dans la rue. Je vais me faire écraser par les voitures. Non, non, c'est pas grave. Ah, d'accord, la dernière. Allez, 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 foutier. Attention aux voitures, quand même, hein. Monsieur, oui. Regarde cette Mais faire attention quand même, hein. Antoine. Salut, c'est Maïkom, Numara, Nama, Antoine, la tête d'autre fille, oh non? Allez, c'est ça. Boîte de vitesse. Et alors, vous allez faire quoi maintenant? Manger. Manger? Après, à la maison. D'accord. Je peux venir manger avec vous? C'est bon, allez. Je vous invite à manger. C'est bon. Ça va? C'est bon. J'invite plus de 20 personnes. Ça, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Hey, on va te donner tout ça. Le kaïdar. C'est quoi le caïdar? Le cannibale. Les gamins, c'est les cannibales? Ah oui. La situation m'échappe. C'est la tête là. Allez, je suis C'est gros,
cool, je suis ravi hein, aussi. Bah, merci beaucoup. Vous habitez loin alors, à 1h30 de route? Oui. En vélo, 1h30? Oui. Ah oui. Bon, ben j'irai pas dormir chez eux. Voilà. Monsieur, allez. Vous partez bientôt? Oui. Merci, merci. Eh oui, si vous avez. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hein, rentrez bien. Merci. Les pirates. Les pirates. Bon, ben moi, je suis très content parce que les jeunes, ils me connaissaient pas. Et c'est juste parce que j'avais une caméra, etc., qu'il y a eu ce moment de magie, là. Donc ça, c'était vraiment bien. Voilà. À demain. Bonne nuit. Bon, ben c'est la fin de ce voyage en Algérie. Un pays immense avec des gens extrêmement différents. D'une région à l'autre, c'est pas du tout la même mentalité. Et donc, évidemment, je vais repartir, mais je pense que la prochaine fois, j'irai dans un pays où les gens ne regardent pas la télévision française. Voilà, à bientôt, salut! Et voilà, de retour dans ma cuisine. Et maintenant, je vais vous raconter les coulisses de ce voyage. J'ai envie de commencer par dire un petit truc sur les jeunes qu'on voit à la fin. Parce qu'ils sont drôles, ils sont enthousiastes, ils sont joyeux, ils sont optimistes. Et dans tous les pays du monde, les jeunes, eh ben c'est l'avenir du pays. Voilà. Pour en revenir à mes caméras, le fait que je filme, eh ben ça faisait un petit peu de moi un journaliste. Et c'est pour ça que j'ai eu des rencontres avec la police. Et j'ai été obligé de les mettre dans le film pour qu'on comprenne que j'avais eu un petit peu moins de rencontres avec des gens. Et puis même à Gardaïa, j'ai pas pu aller chez quelqu'un. Donc c'était important que je clarifie ça. Et alors vous me connaissez, je baisse pas les bras comme ça. Donc le lendemain, eh bien, j'ai attendu une bonne partie de la journée dans l'hôtel sans bouger. Et d'un seul coup, je suis parti rapidement dans les rues. Bonjour, bonjour. Hop, promenade. Ouch, une 404. Oh, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. J'en avais une quand j'avais quoi, 20 ans, 24 ans? Ah, c'est plein de souvenirs, ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, elle est un petit peu usée, hein. Avec le remplissage du réservoir derrière la plaque d'immatriculation, s'il vous plaît. Bon, je force pas parce que j'ai peur que ça tombe. Bye bye. Oh, j'allais dormir chez vous. C'est vous, non? Je sais pas, votre avis. Ah, c'est toi. Ah bah vous oui. Ressemblez beaucoup. Ouais. Comme une goutte d'eau. Hein. Ouais, exactement. Vous n'êtes pas son frère jumeau? Bah, sinon, c'est le même. Je suis l'authentique, le vrai, le seul et l'unique. Ah. Ah, tu fais tuer à Gardaïa? Oui. Vous êtes dans le quartier juif, autrefois. Ah, avant? Oui. Mais plus maintenant? J'étais des bons voisins avec moi. Ah, c'était des bons voisins? Ah, oui. Là-bas, tu vois. Allez, mon frère. C'était des bons voisins? Des bons voisins, oui. Et ils sont partis. C'est la politique, non? Oui, oui, je sais. Les gens sont obligés de partir parfois. C'est une ville... comment on dit? Je reviens tout de suite. Il y a les Mozos, il y a les Arabes, il y a les Juifs, il y a les Chrétiens. Avant? Tout vit, avant. Tout vit, oui. Tout vit, tout mais, fête la Noël. Tout mais fête quand fête. Ah oui, tout le monde fêtait ouais, toutes les fêtes. Ouais. Noël et tout ça. Oui, tout ça. Cool. Mais c'est tout. Chacun sa fête, mais... ensemble. On se respecte. Voilà. Ouais, ouais. Mais et c'était quand ça? Ah, c'était avant l'indépendance. Et vous allez où vous? Moi, je vais chez quelqu'un qui remplit le gaz de frigidaire. Celui-là, c'est Samuel. C'est le vendeur des produits de la magie noire. Voilà bon. sa boutique. Il vend des produits pour la magie noire? Oui. Vas-y, entre, entre. Je connais. Je ne sais pas comment on l'appelle ça en français, mais... Al-Hajj. Bonjour, mesdames. Non, on ne parle pas avec les hommes. Il ne faut pas parler avec les dames? Oui, oui. Même avec moi, même un arabe comme moi, il ne parle pas avec moi. Vous êtes mozabite? Moi. Arabe? Je suis un pire arabe de la tribu de Bni Merzouk. D'accord. Oui. Et... ça, il enlève la mauvaise tête, d'après ce qu'ils disent. Hein. Voilà le balai de la sorcière, là. Il manque la manche. Oh, on peut voler avec ça? Hein? On peut lui, voler? Lui, il vole, lui. Lui, il vole? Oui. Celle-là, ça aussi de la sorcière, là. C'est quoi? C'est un cochon? C'est la peau de Djen. La peau de? De Djen.
Le djinn, si tu vous dites des mots magiques comme ça, il se remplit en or. Ah, le djinn ? Oui. Le type est là, il a toujours été pauvre. Eh ben alors, ça marche pas. Ça marche pas. Hein, ça marche pas, c'est ça. Alors, je me balade, je rencontre plein de gens. Et puis, en fin de journée, la nuit était tombée. Eh ben, devinez sur qui je tombe. C'est mon policier. Bonsoir. C'est mon policier. Vous m'avez suivi toute la journée ? Toute la journée. C'est vrai ? Non. Oui. Vous étiez là avec moi tout le temps ? Toujours. Je ne vous ai pas vu cette fois-ci. Là, vous avez été très bon. Merci. Il est très fort. Merci. Il est très fort. Bon. Mais moi, maintenant, si je veux aller chez quelqu'un, je peux ? Non. Mais si. Interdit. Attendez, c'est vous qui m'interdisez ou pas ? Ou c'est on vous a donné les ordres ? Oui, c'est les ordres. Les ordres, c'est que moi, je vais chez personne. Oui. Bah alors demain, je sors pas, ça sert à rien. Vous comprenez ? Allô ? Bon, bah, je croyais. En tout cas, il a été bon parce que je l'ai pas vu. Il faut couper ? D'accord. Bon, moi, je lui en veux pas, il est hyper sympa en plus. Mais... Je peux pas continuer comme ça, quoi. Donc demain, ben, je reprends la route et je vais dans les grandes villes du bord de la Méditerranée, on verra. Ah ! Ah, mais il est déjà là ! Très fort, très fort. Il n'y a rien à dire, il est rapide et tout, il m'épate. Alors pourquoi est-ce que j'ai été suivi ? Est-ce que c'était pour contrôler qui je rencontrais ? Ce que je filmais ? Eh bien, sincèrement, je ne crois pas. Il voulait absolument qu'il ne m'arrive rien. Parce que, évidemment, ça aurait fait mauvais genre. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié à Gardaïa, parce qu'ils m'ont empêché d'aller chez l'épicier, parce qu'ils avaient peur que je mange quelque chose qui me rende malade. Sans déconner, ça fait 40 ans que je mange des trucs terribles dans tous les pays du monde. Eh bien, ils étaient inquiets. Et donc, c'était vraiment pour me protéger. Et d'ailleurs, j'ai filmé tout ce que je voulais, et ils n'ont jamais contrôlé mes images. Alors les problèmes des caméras, ça ne s'arrête pas là, parce qu'en Algérie, il y a pas mal de gens qui n'aiment pas être filmés. Pour des raisons religieuses, déjà. Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, les caméras. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça ne les empêche pas de venir pour faire des selfies. Parfois même, ils ne demandaient rien. J'ai eu des gens qui arrivaient, ils faisaient un selfie, ils repartaient, ils m'avaient à peine dit bonjour. C'était assez paradoxal. Et en même temps, ça fait plaisir que les gens t'apprécient. Alors évidemment, moi je respecte au mieux ceux qui ne veulent pas être filmés, mais là où ça se complique, c'est qu'il y a des gens qui disent oui au début, et puis après ils changent d'avis, ils ne veulent plus être dans le film. Et ça m'est arrivé plusieurs fois pendant ce voyage. Par exemple à Alger. À Alger, je rencontre quatre jeunes dans la rue, ils étaient en train de tourner un clip. Alors j'explique ce que je fais, en plus il y a plein de gens qui me filment à ce moment-là, donc ils comprennent que je suis connu, je leur dis que c'est pour la télévision française, et puis on part, je les filme en train de filmer leur clip. En fin d'après-midi, il y en a trois qui repartent chez eux, et puis il y a une jeune femme du groupe qui décide d'aller retrouver des amis dans un café, donc je pars avec elle. Eh bien figurez-vous que plusieurs semaines après mon retour en France, ceux qui étaient partis en voiture me disent qu'ils ne veulent pas être dans le film. Alors je ne peux pas vous montrer la rencontre. Mais je peux vous montrer la suite quand on arrive au café. Donc ça, c'est ton café ? Là, c'est notre repère. Ah bon ? Tous les jours, on est là, on joue aux cartes, on discute. Bonjour. Ah bah ouais. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Je suis un peu spécial, je me filme. Enchanté. Enchanté. SM. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Petit déjà à 19h. Il n'y a pas d'heure pour les braves. T'as quel âge toi alors ? J'ai 22 ans. 22 ans. Bientôt 23. Il est là, il est plus jeune comme vous là. Vous faites quoi justement le week-end ? On va à la plage. Ouais. On se rencontre, on fait de la musique, de la guitare. On va manger un petit bout, on va boire un thé, on peut sortir aussi en boîte. Pour les femmes à Alger, par exemple, où là vraiment c'est la ville, c'est plus facile qu'avant ? Je suis convaincue que oui. Mais ça dépend de quoi on parle, parce que si c'est conduire une voiture ou marcher dehors, enfin, on a toujours pu conduire des voitures, mais des fois marcher dehors, si tu veux aller faire un tour la nuit, si t'es accompagné, oui, tu peux aller marcher, faire un petit tour. Si t'es pas accompagné,
Mais la journée, après, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Mmh. Si je peux me faire moi le VRP de l'Algérie, le nombre d'ingénieurs femmes chaque année est le plus élevé au monde. Ah bon ? Depuis plusieurs années. Donc ça dépend de ce qu'on on appelle de la libération ou le, oui, l'évolution de la femme dans la société. Après, il y a des gens qui, par tradition musulmane, ne veulent pas, veulent préserver leur kenz, leur trésor, leur femme. Et ça, ça construit une certaine... ce que certains diraient une autarcie, pour d'autres, c'est une préservation. Mais en fait, toi, tu me disais, tu ne veux pas tout changer. Non, je ne veux pas tout changer. Je ne veux pas que notre pays devienne un pays européen ou un pays américain. Je veux juste qu'on puisse faire des choses simples. Un peu plus facilement. Un peu plus facilement. C'est ouais. Mais bon, c'est en train de changer. C'est vraiment en train de changer. Par exemple, je mixe dans des soirées. Je pense qu'on est deux DJs dans l'Algérie. Genre, on est deux filles qui mixent dans tout le pays. Et je suis super bien accueillie partout. Tout le monde est vraiment content de voir une jeune fille qui commence à ouvrir les portes de ce domaine. Du coup, c'est vraiment, vraiment cool. Tu sens qu'il y a l'avenir encore. Ouais, ah ouais, mais grave. Je suis vraiment optimiste. Je pense vraiment que, en tout cas artistiquement parlant, c'est en train de monter. C'est en train de monter fort et on va mettre Alger sur la carte. Ah, mais c'est bien, j'aime bien voir l'optimisme comme ça. Et maintenant que vous connaissez le nom de mon émission, là, qui c'est qui veut me garder chez lui? Je pense qu'on peut tous ici. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas. Ah bon? Dans ces cas-là, si c'est possible, moi je préfère aller chez toi parce que c'est toi que j'ai rencontré cet après-midi. C'est vrai, bah, pas de souci. Non, c'est vrai, tu penses sincèrement? Bah oui, moi, je passe un coup de fil et prévenir. Après, moi, c'est sûr à 99%, mais il reste 1%. On ne sait pas. Evelyn. Alors en même temps, je comprends, parce qu'il commençait à être tard, ses parents étaient peut-être déjà couchés ou en train de se coucher. Bref, je les avais pris quand même un petit peu de cours. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi en Algérie, c'est les chats. Il y en a beaucoup. Et surtout, ils sont hyper zen. Même dans la capitale, hein, en pleine ville, tranquille. Moi, je trouve ça absolument incroyable, les chats en Algérie. Bonjour, toi. Ils sont incroyables. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que les chats en Algérie n'ont pas peur des gens. Non. Les gens aiment les chats parce que notre prophète, il aime les chats. Oui. Mais là, vous êtes en train de faire une... Non, j'ai acheté le cachir pour louer. J'ai vu qu'il a faim. Nous, les musulmans, pour faire le bien. Je comprends. On ne fait pas du mal. J'ai 13 chats. Ah oui? J'ai une moto quand il entend. Il entend le moteur. Il d'arriver. Il sait que c'est moi. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui aiment les chats. Merci voilà, beaucoup. Parce que moi, j'aime bien les chats. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Ça, c'est incroyable, vraiment. Bonjour. Et en plus, on lui a donné à manger aussi. La sérénité, voilà. Faut pas dire mieux. Et vous savez pourquoi les chats sont aussi tranquilles en Algérie? Ben, c'est qu'il y a pratiquement pas de chiens. Je crois pas que j'en ai vu. Et les chiens, il faut bien reconnaître qu'ils compliquent souvent la vie des chats. Voilà. Alors, pour en revenir à l'Algérie dans son ensemble, c'est un pays, on l'a vu, qui est extrêmement varié du point de vue des populations. Et il y a une région qui est vraiment particulière, eh bien, c'est la Kabylie. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis passé dans une petite ville qui s'appelle Michelet. Oui, c'est le café des jeunes, là. Oui, bien sûr. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans? Ouais. 19 ans? Oui. Ah ben, enchanté. Viens, viens, assieds-toi. Allez. Si on m'invite à boire un verre, je m'arrête. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu veux boire quoi? Comme vous, là, petit coca? Oui, petit boisson comme ça. C'est la Thaïlande que c'est la dernière fois. Comment? La Thaïlande. Oui. Bon, vous me connaissez, Vietnam, alors. Vietnam. Bah oui. Quand on était tout petit, on vous regardait déjà. Bah ouais.
Aujourd'hui, c'est un jour particulier, on m'a dit que c'est férié. Ouais, c'est Moulid. Oui, mais... C'est la naissance, du prophète, Mohamed. C'est son anniversaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il ne fête pas beaucoup ça. Si je pars en Alger ou bien, c'est pas pareil qu'ici. À Alger, tout est fermé. Ah oui. Ici, c'est férié, mais à moitié. Parce que le reste du pays, c'est des Arabes. Et les Kabyles, c'est pas des Arabes. Ouais, voilà. Bon, d'accord. Ils sont différents. Tous les jeunes, ils veulent quitter le pays. Ah bon? Oui. Ils voudraient aller où? En France? En Europe. En Europe? En général. Mais pourquoi? Parce qu'ici... Quand un jeune va avoir son bac, il va pas trouver travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Tu ne vas pas gagner trop. Ouais, c'est mal payé. Un père de famille avec 4, 3 enfants, il ne peut pas subvenir à ses besoins. C'est trop cher ici, la vie. Vous habitez chez vos parents, là? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui. C'est difficile de partir? Ouais, c'est difficile. Ouais, j'habite chez moi. OK. Et ce soir, vous allez faire quoi ce soir? Ben, dormir. Ce soir. Il n'y a rien, il n'y a pas de. Vous sortez non, pas non, y a... ici, c'était fermé. Il ne reste pas un bar ou. Oui, il y a des bars. Vous trouvez des bars. Nous, on a un bar. De quoi? La famille? Oui, c'est la famille. Ouais, c'est notre bar. Ben, on peut aller voir, comme ça, j'aurai un bar en Kabylie, dans un petit village, une petite ville. Ouais. Ben, on y va alors, si vous voulez. Bien sûr, on va. Oui. Allez. Hop. Bon, messieurs. À la morale. Merci. Ciao. Voici mon grand-père, c'est celui-là. Tu vois? D'accord, je vois. Ouais, on peut entrer. Celui-là, il s'appelle Dakhali. Bonjour, Dakhali. Bonjour. Maxime. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bon. Je viens dormir chez vous. Bah, quand vous voulez. Si, bon. Mais c'est loin. Bonjour. Ça va? Ça va? Enchanté. Celui-là, c'est le buveur. C'est un bon client. Ouais, c'est un bon client. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Ça marche. Merci, vous. Messieurs. Une question. Une question. Pourquoi toujours la même couleur? Ah, la chemise rouge. Je sais pas. On a dit que ça serait emblématique. Vous êtes de quelle tendance politique? Alors moi, je vais vous dire, un peu, je m'en fous. Hein. Si vous êtes rouge, donc vous êtes communiste. Ouais. Ah, vous êtes noir, vous êtes fasciste. Voilà. Bonjour, messieurs. J'arrive chez vous. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Allez, bienvenue chez nous. Je vais te chanter un peu. Ah bon? Ouais. Attention, eh bien, voilà, attention de ne pas tomber. Hein. Non, la chaise, c'est pas bien. Il vaut mieux rester en bas, là. Azini Rabbi Zmim Yetikle Nufalim Sa'ayina Kiniz Bafas Tfanina Zirimida Azini Rabbi Zmim Yetikle Nufalim Sa'ayina Kiniz Bafas Azini Rabbi Zmim La Sahara Diyani Sayyid Al-Khidma Fulas. Alors ça, c'était une séquence qui était vachement sympa. Et j'ai pas pu la mettre dans l'épisode, tout simplement pour des problèmes de place. Il a fallu faire des choix. Mais il y a d'autres choses qu'on met pas dans un épisode. Par exemple, un message personnel. Ça, on le fait pas. En revanche, ici, dans la cuisine, là, c'est possible. Et quand j'étais à la fête du Mouloud, en Kabylie, eh bien, il y a une femme qui est venue me parler. Ah non, je parle pas l'arabe. Je suis Kabyle. Il t'a dit, moi, je suis Kabyle. Ah, vous êtes Kabyle. Cette dame, elle a trois filles en France. Elle a trois filles. Vous avez trois filles en France. Oui. Elle voulait passer un message. Passer un message. Allez. Vous voulez passer un message? Mais elle n'a pas de nouvelles? Non, elle n'a pas de nouvelles. Depuis 37 ans? Alors, je ne sais pas quoi dire de plus. Moi, j'espère que ce message arrivera à bon port, d'une part. Et puis, bah, si j'ai pu servir à quelque chose, c'est pas plus mal. Alors, il y a eu un autre truc inattendu pendant ce voyage. C'était à Janet. Vous savez, quand j'ai dormi chez Ali, j'ai fait une petite sieste l'après-midi. Quand on est sorti, on a ouvert la porte. Et bien là, on a eu une surprise.
Regarde. Très bien, oh, la pluie. C'est magnifique. Il pleut. Il pleut. Bah oui, ça arrive, hein. Mais c'est pas tous les jours, je pense. Yep. C'est parti. C'est bon. Bien, ça. Ça fait du bien. C'est formidable, c'est très bien. C'est formidable. Oh. C'est pas souvent la pluie ici, oh, ici, non? Ils sont pluie, ils sont pas pollués. Oui, il n'y a pas eu de pluie depuis 4 ans. 4 ans? 4 ans. Pas beaucoup de pluie. Hein? Bonjour. Bonjour. Il pleut. Il pleut. Oui. C'est la pluie. C'est la pluie. C'est bien. C'est bien la pluie. Merci. Merci. Ça va, ça, c'est bien la pluie. Alors je me demande si on s'est vraiment bien compris avec Ali, parce que lui, il parle de 4 ans. Moi, je me dis que c'était peut-être quand même 4 mois. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, lui, il a vu ça comme un petit cadeau du ciel pour notre rencontre. On va terminer ce voyage en Algérie avec une jolie séquence. Vous savez, au début du film, j'ai dormi chez Daoud. Et ben, le lendemain, on a pris un petit déjeuner tous les deux. Et alors, c'était vraiment tranquille. Ça vous suffit comme mais ça? C'est super, ça. Ça suffit largement. Je l'ai bien dosé. Il est fort. Oh, il est tout noir. Merci. Il est super fort. Voilà. Il est bien dosé. Regardez ce que vous mettez comme sucre. Bon, ben super. C'est vraiment bien. En fait, il y a du sucre. Non, le sucre. Vous ne mettez pas du sucre? Moi, ce que je fais, c'est que je mets du sucre après, à la moitié. Comme ça, je bois la moitié sans sucre et la moitié avec du sucre. Et pourquoi? Ben, je sais pas, pourquoi pas. Des fois, je m'ennuie tout seul ici. Ah oui? Ah oui. Quand il n'y a pas madame... Vous êtes en train de filmer à tout moment, Antoine. Ben oui. Et pourquoi? Comme ça, j'aurai plein d'images et je pourrai choisir le meilleur. Voilà. Ah, d'accord. La vue, elle est formidable. Hein. C'est calme, une belle vue. Il est mort, l'arbre? Il est mort, le pauvre. Mais il faut l'enlever, il y aura la vue, elle sera encore plus belle. Oui, j'ai l'intention d'enlever. Parfois, ouais. Le village en face, quand le temps est vraiment clair, je vois les gens. Ah oui? Et bien sûr. Tellement, c'est clair. Dans la réalité, Daoud, je l'ai rencontré au tout début du tournage. Mais comme je ne sais jamais si une séquence ne va pas se retrouver à la fin de l'épisode, par mesure de sécurité, j'ai fait une fin d'émission à côté de lui. Mais Daoud, on ne lui raconte pas n'importe quoi. Bon, ben moi, je vais dire que c'est la fin de ce voyage en Algérie. C'est pas vrai. Dans un endroit, mais si, c'est vrai. Aller au sud, aller à Ardaya, aller à... Oui. Non, non, mais je vais aller après. Mais là, c'est que peut-être je vais mettre ça à la fin de l'émission. Donc, je serai déjà allé là-bas. Mais je vais aller là-bas. Eh ben, j'ai l'impression que c'est ici que se termine ce voyage en Algérie. Vous me permettez de dire quelque chose? Ben, bien sûr. Ce que je vous assure, parce que j'ai fait mon travail, m'a permis de voyager en Algérie. Je peux vous certifier que c'est un peuple qui respecte les étrangers. Ça, je vous le garantis. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est clair, j'ai été super bien accueilli. Très bien. Il n'y a pas de doute. Mais je termine dans un endroit qui est calme, calme, calme. On serait les derniers sur Terre. Ça ne ferait pas plus de bruit. Quand vous avez la tête comme ça, vous venez ici. Voilà. Vous reposez, je vous le garantis, vous me trouverez là. Au plaisir, hein, et salut. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai l'impression qu'il a tout dit, non? Donc, c'est la fin de ce voyage en Algérie. On se retrouve bientôt. Salut.